Here comes the y'all don't really worry about it. Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'épisode 14 du mode univers sur WW13 avec donc un vidéo sur Main Event. D'abord j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous aurez plu et j'espère qu'on va passer ensemble un bon moment. Donc allez, ils ont notre carte du jour. Donc on a Natalia Best Phoenix, les deux blonds qui vont s'affronter. Après on a toujours cette rivalité entre Jimmy Uso et Yoshitatsu qui s'affrontent. Après on aura un Santi de Marella, la team Cobra contre la team American Perfection. On aura un triple threat match entre Randy Orton, Sheamus et le World Heavyweight Champion Chris Jericho. Un match avec deux de ces challengers. Et enfin, en main event, on aura donc le rematch de Monday Night Raw qui était donc The Rock vs JBL et Arrow. C'était notre premier match, on se rappelle, mais donc le main event. Et comme d'habitude, je notais et on se retrouve juste après les entrées. A tout de suite les amis. Ah, excusez-moi, j'étais plongé donc sur mon ordinateur évidemment, comme d'habitude. Là franchement, ouais, on va prendre chat shooter. Donc je crois que je suis encore en légende. Comme un con. C'est que j'avais tourné un peu avant. J'ai tourné donc la dernière fois j'étais sur WW13, c'était donc pour le défi numéro 1 et pour le match of the night, je crois épisode 5 ou 6. Et donc je suis resté en légende, hein, ça ne voit pas, mais je suis en légende. Hein. Je me suis dit peut-être que ça va être un peu plus marrant en légende. Les matchs vont être plus longs évidemment. Le choix va être plus long, c'est pour ça que je préfère jouer en difficile. C'est sûr c'est un peu plus facile. Mais au moins les matchs sont un peu plus courts alors que là ils vont sûrement être plus difficiles. Plus longs, surtout ça. Plus longs. Et après ce match, je vais retourner dans le principal pour faire des matchs en difficile pour que les matchs soient pas trop longs. Parce que je pense que ce genre de show dure à peu près une heure déjà.
Et le nouveau épisode 14 a duré à peu près 52 minutes. C'est quand même un peu long pour un jeu. C'est quand même, franchement, un peu même trop long pour un show. Déjà que les pay-per-view durent à peu près une heure. Les pay-per-view, j'essaye de faire durer les matchs, de faire durer le plaisir, pour que j'ai que je fasse un bon hit like juste après. J'espère que les shows durent à peu près, je sais que les shows durent à peu près une heure et demie, voire 1h45. Donc que les shows, justement les pay-per-view du jeu, 1h30, 1h45, pour moi c'est un bon pay-per-view, ça représente vraiment ce qui se passe à WWE. Les pay-per-view durent un minimum 1h, 1h30. Les shows durent 2h, c'est vrai, mais moi je ne peux pas faire un show de 2h. C'est impossible, je ne pourrais pas. Je vais souffrir. Alors, pour l'instant, on est des brouillards. Donc, j'ai pas de news sur WWE 14. Ah, si, j'en ai une. Ça, vous aurez ça plus longtemps, mais depuis quelques jours. Donc, là, j'enregistre, on est le 7 septembre. J'ai vu ça donc hier, le 6, et j'ai même posté ça sur Twitter. Que donc, Micromania a enfin reçu donc l'édition collector de WWE 2K14. Donc, l'édition collector de WWE 2K14 et a bien passé la frontière. Enfin, elle a passé la frontière. Et donc je vais vite m'empresser, je suppose à peu près à la fin du mois, je vais très vite aller chercher donc l'édition, aller chercher mes précommandées éditions collector de WWE 2K14. Et s'ils veulent pas me la précommander, je leur fous un Twitch in music. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Donc voilà, c'est un petit plus pour WWE 2K14. Je suis content qu'il ait reçu, malgré que l'édition collector est un peu cher. Je dirai pas le prix, je dirai ça quand je ferai mon unboxing. Donc je ferai une vidéo, on va dire hors série ou hors sujet, qui parlera donc de moi, donc de ma chaîne, de l'avenir de ma chaîne, et donc de mes prochains jeux que je vais acheter. Hein. Ce ne sera pas les jeux que je vais acheter. Je vais arrêter d'en parler dans mes vidéos parce que ça est complètement hors sujet et ça ne sert complètement à rien d'en parler dans mes vidéos. Je vous parlerai dans une vidéo spéciale et je ferai ça sûrement qu'une vidéo comme ça. Je ferai sûrement aussi une vidéo présentation de ma chaîne, un truc du genre. Ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui ne savent pas ce que c'est, qui ne peuvent s'abonner. Comme ça vous verrez cette vidéo, je la mettrai sûrement en page d'accueil directement, comme ça vous verrez, vous saurez ce que est ma chaîne. Pas mal. Ça c'est une petite information que j'avais envie de vous faire passer. Ah oui, une autre information, mais ça c'est sur NBA 2K14, c'est que j'ai déjà commandé. T'as dit, j'aurai soit le 4, j'aurai soit le 5, soit le 6. Ça sera juste en fonction du déplacement. C'est pas parce que je veux pas le 4 mais que j'aurai sorti. C'est juste parce que je veux m'assurer de d'être bien en forme. Donc parlons de 2K13. Donc du match de finale de conférence. Peut-être je vais un peu spoiler, mais pour résumer, j'étais en défaveur, on va dire ça. J'étais plus en défaveur. Et donc, j'ai dû faire donc, un match de finale de conférence en off, tout simplement parce que en vidéo. Je n'arrivais pas, je faisais de la merde, je faisais des trucs de merde, on se faisait battre de 2 points, voire 1 point. Et là, donc j'étais obligé de faire le match en off, car... tout simplement car c'était impossible pour moi, on dirait que c'était impossible de gagner le match en vidéo. Je sais pas pourquoi. C'était pour moi impossible, je me faisais toujours défoncer, je rageais un câble, je tapais sur mon lit, je faisais des trucs que je fais jamais sur NBA. Vous avez déjà entendu crier sur NBA, là je comprends. Vous avez déjà entendu rager sur NBA, ça je comprends. Mais de là à carrément, j'ai limite frappé mon lit, j'avais limite envie de prendre un couteau et de complètement couper mon lit. Ah, il y a quand même la fin. Donc voilà. Donc je vous conseille donc de me suivre sur Twitter, donc c'était pour la petite anecdote. Je vous conseille de me suivre sur Twitter car je balance beaucoup de news sur WWE 2K14. Je balance des fois des news sur NBA 2K14. Watch Dogs, je ne balance pas souvent parce que c'est vraiment un jeu que j'attends
mais je me réserve un peu. Ah oui, je balance aussi, donc le soir ça dépend de mon envie. Le soir, si je vais jouer au club, j'ai balancé surtout vers 21h, 22h, voire hier, la nuit hier, le 6 septembre, j'ai balancé une vidéo à minuit, qui était franchement pas mal. Parce que j'ai découvert donc un petit site qui donc une chaîne, donc If I Z, si vous ne connaissez pas, donc c'est un youtubeur américain qui te balance donc depuis pas longtemps des matchs, des pay-per-view, des grands matchs. Donc pour moi c'était des matchs of the night. Donc en regardant ces matchs en full, j'ai franchement des tonnes d'idées pour mes matchs of the night dans WWE 2K14, car oui, je vais sûrement reprendre donc cette série. Que je mets un peu en série secondaire pour moi, car pour l'instant j'ai le mode univers qui est la série principale de ma chaîne, comme le mode My Player. Donc pour certains dans WWE 2K14, ça je le dis haut et fort et c'est clair, je ne ferai pas de mode univers. Je ne vous demanderai pas votre avis si je dois faire un mode univers ou pas. Pour moi le mode univers ça me prend à peu près on va dire la moitié de mon temps, même plus. Car le temps que je fasse l'épisode, le temps que je fasse montage et le temps que je fasse la mise en ligne, ça prend vachement de temps. Hein. Donc c'est assez chaud. Surtout que le show dure une heure, presque une heure, peut-être 5 minutes. Désolé, je parle pas en ce moment, je suis vraiment navré, mais je suis obligé de parler, je ne vais pas m'arrêter quand je parle d'un sujet. Franchement, je suis d'humeur timide, mais quand je suis en vidéo, je me lâche. Il y a un truc à un point. Voilà, je me lâche un point, vous ne verrez pas de genre de mots. Peut-être vous verrez des fois des mots qui essayeront de faire un peu la chose, mais vous me verrez dans mon état normal. Mais si j'ai envie de crier, sans envie d'insulter, j'insulterai. Voilà. Ah Yoshi, mon petit Yoshi. Voilà, finalement. Donc oui, donc dans WWE 2K14, oui, je me mets à parler américain, donc je parle américain, et non anglais, parce que l'anglais, c'est bien, oui, mais moi en fait, l'anglais, pour moi c'est dur, mais quand je parle, parce qu'il y a deux types d'anglais, il y a l'anglais anglais et il y a l'anglais américain. L'anglais anglais, moi, je comprends pas trop, je comprends quelques mots, ça va, mais je comprends mieux l'anglais américain, je sais pas pourquoi. Quand vous me parlez anglais américain, je comprends gravement mieux que si on parlait anglais tout court. C'est franchement bizarre, mais je comprends mieux. Et on continue. Ah putain, je me suis la difficulté. Bon, c'est pas grave. On fera avec. On fera le match suivant. Donc, je ferai pas le match d'hiver. Je vous demanderai pas un sondage comme pour NBA 2K14 où je vous demande. Il sera dans la description le lien. Si vous voulez donc que je fasse donc un mode mon joueur sur NBA 2K14, si vous voulez que je le fasse, ben, je le ferai avec plaisir. Ben, si vous voulez pas que je le fasse, je vais lancer une nouvelle série sur NBA 2K14, que je vais sûrement commencer sur NBA 2K13, si j'ai le temps de la faire. Et ça, c'est autre chose. Donc si j'ai le temps, évidemment, si j'ai pas le temps, je le ferai sur NBA 2K14. Je verrai ça. Ça sera en fonction donc de mon temps d'attention. Ça sera donc en fonction de mon temps. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Il me compte. Allez. Donc ça sera un peu en fonction de mon temps. Ouais, je répète 3000 fois les choses. Et je dis, je répète en fait 3000 fois les choses. Bon, donc pas de mode univers. Si un mode carrière, je vais le faire. Parce que j'ai envie de voir à quoi ressemble mode carrière. Je ferai sûrement une découverte du mode carrière. Si un mode manager général, bien sûr, le mode manager général, je le ferai au-dessus du mode carrière. Car si le mode manager général revient, c'est qu'une rumeur. J'ai trop envie de tester le mode manager général pour voir ce qu'il donne. Je ferai aussi une vidéo découverte dans ma vidéo aussi, donc, des modes. Et je ferai sûrement, faut que je m'organise par contre, un mode scénario. Donc quand je dis mode scénario, c'est dire scénario donc WWE univers. Hein. Donc pour moi, j'ai une petite idée, franchement, j'ai une belle petite idée. Je pourrais organiser donc les pay-per-view de la WWE qui sont déjà incorporés. Que je joue quelques musiques sur les pay-per-view.
Ça, ça pourrait être pas mal. Et donc, je vous ferai sûrement Raw, SmackDown et la ECW. Je verrai en fonction. Je sais pas encore si je fais donc une main de scénario. Je verrai si j'ai le temps. Enfin, si j'ai encore le temps, je peux le faire. Si je suis pas trop cool. Mais je suis avec, surtout en période de cours. Et voilà, fin de l'année, donc j'ai le bac français histoire à passer. J'ai le basket qui va bientôt prendre. Par exemple, vendredi qui vient, j'ai un test de basket. Après, les lundis et vendredis, vers 19h, 20h30, 19h à 20h30, j'aurai entraînement. Je suppose que le week-end, j'aurai des matchs. Donc ça sera franchement un peu chaud. Un show à tout ça. J'ai à vous faire des vidéos, ça sera donc le week-end et peut-être mieux chose du matin, soit le mercredi après-midi. Ce sera plus le mercredi après-midi, ça c'est sûr. Il y a encore, si j'ai le temps d'en faire, c'est un peu compliqué. Mais cette année, j'ai un peu plus. Oh, je sais pas, c'est pas ce que je voulais faire, bon. J'ai un peu plus m'organiser en fonction de mes cours pour réussir en année que mon futur. L'année dernière, j'étais bien consacré à YouTube. Allez, Uzo, donc. Ça, c'est le petit sujet que j'avais envie donc, d'aborder. Et c'est tout ce que j'avais donc, à vous dire. Ouais. Voilà. Donc, je vais pas parler donc, des. Peut-être prochain projet sur des jeux. Puisqu'on parlait dans le niveau achat de jeux. Et peut-être au niveau projet. Ouais, dans la vidéo, donc à venir YouTube, j'en parlerai. Mais maintenant, nous allons nous consacrer donc au PIP, donc vous allez venir au show. Puisque on se rappelle, donc au main event, épisode 14, donc on est donc à peu près deux semaines de Money in the Bank. Le pay-per-view, on aura donc un Money in the Bank, des matchs de championnat. Donc on aura Chris Jericho qui défendra son titre, on aura John Cena, on aura Brock Lesnar, on aura Christian. La team Kofi Kingston et Artus qui protègent leur titre. Donc dans ma vidéo des filles, j'ai parlé de Skin Assis, donc qui était Matt. Vous voyez qu'il vient de commencer à jouer à NBA parce que j'ai quelques balises, donc ce sont mes jeux principaux comme WWE 13, NBA, ce sont mes jeux principaux. Donc je ferai sûrement ça avec Watch Dogs aussi. Faut que je retourne dans mon match. Hein. Allez. Oh. Attention, Yoshi qui prend la tête de Jimmy. Oh, le... Oh, on a tous ces prises. Le chin clock et le coup de derrière la tête. Voilà. Oh putain, le trouble. Oui, il est 11h24 et je tourne le matin pour une fois. C'est vraiment étrange quand je tourne le matin. Et donc je suis pas trop levé parce que je me suis levé il y a à peine une heure. J'ai dû me faire déjeuner hein, comme tout le monde. Hein. Je me suis levé à peine il y a à peine une heure. Je suis un peu encore. Je sais pas qu'on va pas dire que je suis crevé parce que je suis bien réveillé. Mais les prises, une des prises, c'est pas encore ça. Alors, donc un DDT. Et le kick dans la tête de Yoshi. Attention. Ah, Uzo. Par contre, on va un coup de balancer là. Je crois que ça marche. Fuck! Ah non, je suis deg! Ah non, mon super kick! Ah, il va tenter le super kick. Mon samouraï droit, il va tenter le super kick. Allez! Non! Yoshi, tu me saoules! Donc j'ai fait une tenue donc supplémentaire à toutes les superstars que je fais sûrement dans toutes les 14 pour juste diversifier les tenues, on fait sûrement deux tenues, une tenue alternative en fonction des tenues qu'ils ont. Arrête de parler des autres jeux et prends ton sur ton match. Voilà. Donc j'arrête de parler des autres jeux, attention. Ah non, je vais tenter un truc. Donc l'information que j'ai vue il n'y a pas longtemps, sur toutes les 14, vous savez que dans le début de 13, dans le mode Atutidara, on entendait donc. WW, c'est tout. Le F était donc censuré.
Et ça me pose un peu de problème. C'est un peu dur. Et bien donc 2K14, il ne sera pas censuré car on a entendu donc qu'il présentait donc et il disait bon, his match is for le. Avant on avait his match is for le WWE Championship. Alors que maintenant on aura donc his match is for the World Heavyweight Federation. Alors merde, c'est pas ça, c'est mieux. La World West. This match is for the World Wrestling Federation Championships, le WWF Championships, il le dit vraiment. Donc, faut dire que sur le mode studio, j'ai quelques problèmes avec YouTube, c'est que ils m'ont dit comme quoi la vidéo sera bloquée à jamais. Tout simplement parce qu'il y a problème avec THQ, parce que ça, parce qu'il y avait un rapport avec la WWF, et qu'il n'y avait pas le droit d'utiliser des vidéos sur ça. Parce que j'étais en France et non en Amérique, voilà. Et que j'étais mon partenaire. J'ai toujours mon partenaire. Donc j'espère que ma vidéo du coup ne sera pas bannée par ce mode. C'est un peu con quand même. Donc comme si j'en ai sûrement le recevoir, donc je vais aller chercher donc, le 2 novembre. Je vais tenter de faire directement en rentrant la vidéo dessus, donc le Daldo Unboxing. Donc dès que j'aurai fini la vidéo, je vais me mettre sur mon ordi. Je vais faire le montage. Qui va sûrement durer à peu près une dizaine d'heures. Ouais, c'est impossible peut-être. Non, attendez, je réfléchis tout seul, désolé. Ouais, pour mettre un vidéo, oui. Pour faire le montage, oui, ça peut passer. Ah, après, ce sera le lendemain qu'il faudra que je pense à l'upload. Désolé, je suis en train de me dire parce que mes vidéos d'une heure, ça met à peu près 10 heures pour faire le montage. Juste le montage, hein. Pas le rendu. Non. C'est à peu près, on va dire, 6 à 10 heures le montage. Et aussi 6 à 10 heures le rendu. Hein. Attends, mais c'est deux choses différentes. Hein. Donc vous l'aurez peut-être dimanche 3 ou lundi, c'est en fonction de quand je vous uploaderai. Et encore, si lundi je vais pas en entraînement, je ferai non plus mardi. Non, mais je ferai un truc comme quoi pour empêcher ça, pour que vous l'auriez lundi. Je vais essayer. C'est pas encore sûr, mais je vais essayer. Ah, mais je suis con parce qu'en plus, on tombe en vacances quand. J'ai essayé de tout faire, de négocier avec my family pour qu'on aille le vendredi pour aller chercher mon jeu. Comme ça, je fais la vidéo directe et je fais le montage le lendemain. Ça vous évitera d'attendre jusqu'à lundi. Je vais tout faire pour l'avoir le jour même. Je vais tout faire, on ne sait pas, je vais tout faire. C'était pas prévu, désolé. Donc je vais tout faire pour que ça passe, hein. Évidemment. Que je vais donc le jour même, je vais tout faire pour que ça, réussisse. Ah, j'ai oublié encore de changer de difficulté. Eh ben, en portant comme ça, on va faire complètement un show en légende, hein. Attends, on est bien parti. On la connaît trop, cette. Donc, explication pourquoi je ne veux pas faire mode univers. Parce que sur le 13, sur le 12, ça allait, donc t'es bien, trop de scènes. Sur le 13, bah c'est le contraire. Trop répétitif, il n'y a pas assez de scènes. Bah, vous avez toujours les mêmes scènes et encore, ils sont gentils. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu chiant même. Hop là. Et hop là. Voilà, Jack Swagger est super réaliste. Donc dans le mode hiver, c'est pourquoi je prends le mode hiver. Parce que si je fais un mode scénario, qui est vraiment très probable, je vais sûrement utiliser, donc faire des équipes évidemment. Grâce au modulaire, parce que c'est grâce au modulaire que tu peux faire entrer des équipes. Et ouais, tu fais tout avec modulaire. Tu peux entrer dans des équipes en exhibition. Et je suis fail. Et en scénario. Voilà, merci Swagger. Allez, le close line. J'ai un peu attaqué Zack Ryder. Oh le nom, le flapjack. Ou à côté des escaliers, et j'ai de la chance. Hop là. Le gars, Jackie. Zaki, pas Jackie.
Donc il y a une nouvelle série qui va sortir donc sur NBA 2K13 hein, et peut-être sur NBA 2K14. Allez, dégage! Allez, voilà, Chuck, tu dégages vraiment. Wouhou! Il est passé celui-là! Dolph Ziggler is the best! Dolph Ziggler qui est un catcheur maintenant que j'aime bien et que pour moi il mérite d'être à la WWE qui est donc un bon futur pour la WWE pour moi. Allez. Bon, il mérite d'être dans le jeu parce qu'il vous fait des trucs bien beaux. Hein. Il fait des beaux matchs, hein, évidemment. Comparé à Randy Orton et Triple H qui le déçoivent au plus haut point, franchement. Dégage, là. Triple H, il repart à l'époque donc, de la Evolution. Randy Orton qui part aussi à l'époque de l'Evolution. Soit c'est une New Evolution, soit c'est une New Corporation. Ouais, moi j'aurais plus une New Evolution qu'une Corporation. Chacun son choix, hein, mais moi j'aurais plus ça. À toi, Sauveur. Ouh, il visait quoi? Que dalle. Mais non, petit Santino, tu vas bien souffrir avec nous. Hein? Ah oui! Skinacid aussi, j'en ai oublié. C'est celui-là qui m'a posé un défi, donc je suppose qu'il va pouvoir poser un autre défi en commentaire. Hein. Vous pouvez même me donner des défis en commentaire d'autres vidéos. Hein. Sur une vidéo de NBA, sur une vidéo donc Shippa Naruto, même WWE Trade of Hiver. Vous pouvez me parler si vous avez envie. Si vous avez envie, bien sûr, me dire tiens, tu peux me faire tel défi. Tu prends ci, tu prends ça, bien sûr, pas peine de me dire. Vous pouvez aussi me dire la stipulation, c'est important aussi. Merci. Vous pouvez me dire aussi la stipulation, vraiment, ça, franchement, ça ne me dérange pas. Je ferai tous ces défis, je les fais en légende, évidemment. Je joue beaucoup plus en légende, car j'aime bien m'éclater. Ah merde, c'était Dolph. J'ai frappé Dolph. Non, Zaki, non. Ok. À la base, j'étais parti pour un visite de la jambe qui est une prise en courant, une attaque en courant qui est pas mal, franchement. Très très bien fait, franchement. Je veux courir. Jack, je sais que dans Tuki Fortune, tu te mettras un peu plus de temps à courir, mais courir. Cours, tu sais, des jambes, marche, tu cours. Comme ça, voilà. On vise bien la jambe. Non, pas Santino, non. Donc je vais arrêter de dire, ça fait déjà 30 minutes de vidéo parce que c'est pas vraiment très professionnel tout ça. Parce que, oh putain, je suis déjà à 25 minutes de vidéo. On dirait que le mec qui fait exprès. Non, en fait, je vais arrêter de dire, oh, on a tel temps de vidéo parce que c'est pas trop professionnel. Je regarderai juste le temps pour voir à combien on est. Sinon, je dirai à combien de minutes on est. Que quand même un but de vidéo c'est de vous divertir. On dégage. Merci Swagger. Ouais, tu vas mourir maintenant. Ouh. Attention, Zach. Dolphy. Tu vas attaquer donc. Ouais, c'est un kilo. Pour tenter de tomber. Ah là. Et non. Allez. Quoi, casser l'ombre. Wouhou. Le premier. Chauffe. Ouais, passe pas ton pote. Allez, il va par terre. Bon, je vais être en difficile pour le triple shot match parce qu'il va être assez long, je suppose. Ouais, petit provoque, ça passe bien, Ouais, un petit serre-tête, voilà. Tu fais premier, parfait, Dolph, parfait. Hein, tu fais un deuxième serre-tête, c'est bien. C'est bien, Dolphifex. Non, désolé, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça.
ça n'avait aucun rapport. Ah, le leg drop, bulldog, enfin, tout du genre. Allez, allez. Zigzag, zigzag. Fouille. T'as Grainer qui m'a même pas vu pour intervenir, non, on va te faire foutre. Démerde-toi, et voilà. C'est bien, faites votre tête de méchant, ouais. Bon, maintenant, je quitte exprès pour mettre en mode difficile pour que ce soit un peu plus rapide, parce que même en légende, vous voyez que je gagne, mais là, c'était un coup de chance. Donc, j'ai un peu changé donc les challengers numéro 1, sauf là, évidemment. Je monte là où je change pas les challengers, bizarrement. Parce qu'on a vu, c'était toujours donc du Brock Lesnar, des Lutonga, donc. Après la vidéo, je vais sûrement faire un petit changement. Quand je dis petit changement, c'est-à-dire que je vais mettre une superstar qu'on voit presque pas affronter Brock Lesnar pour le titre des États-Unis. Ça peut être plutôt bien parce que on a toujours le même match. C'est un peu chiant. Que là, le World Heavyweight Champion, Y2J, va affronter donc le challenger numéro 1, Randy Orton, et le challenger numéro 2, Sheamus. Et on va se retrouver juste après les entrances. A tout de suite les amis. Thank you.
Challenger qui s'occupe d'en battre. Et l'ancien World Heavyweight Champion, The Celtic Warrior, The Great White, Sheamus. Allez, c'est reparti les amis. Donc nous allons prendre Aleator. Ben s'ils veulent Jericho, ben ils auront Jericho. Hein. Le kick dans le vent. Attendez, je me gratte. Juste deux secondes. Ah, ouais, c'est bon. Anton ne voulait pas participer au combat. Anton, il est bien, il aime bien regarder le combat au moins. C'est digne d'une vipère, c'est digne d'un opportuniste. Il regarde les deux captures, ça fait pire. Ouais, il aime bien, il regarde le World Heavyweight Champion. Et on voit déjà qu'il y a une petite alliance entre Jericho, entre Sheamus et Randy Orton. Allez, trahis-le, non. Randy Orton est vraiment pour avec Sheamus. Ah, Jericho, on dirait un match handicap, franchement. Parce que là, on a donc les deux challengers qui s'entraînent directement au champion du monde polo. C'est intelligent, c'est vrai. C'est un gros champion. Peut-être pour un peu le blesser ou même le fatiguer avant son match pour le World Heavyweight Championship. À Money in the Bank. Allez. Remember, this is a no disqualification matchup. Sheamus. Ah, Orton qui vient des Jericho. Peut-être pour une petite trahison de Sheamus. Et de double DDT. Ouais, Jericho, peut-être Sheamus. Jericho et Randy Orton pour une petite alliance. Ouais, tourne-toi. On va pas abandonner Oh. Ah, Jericho qui en dirait ses trompées de cible. Ah, Sheamus qui a lâché Randy Orton. Ah, j'avais vu un tout point de choix, j'avais pas vu un match handicap moi. Et voilà le fake de Jericho. Ça devait se passer. Bon, je trouve qu'on peut profiter un peu en faisant une petite provoque. Hein. On va pas perdre du temps. Ouh, trop beau clothesline, hein, Randy. Très beau clothesline. Une deuxième suplex. Que Jericho, donc qui joue de technique, on va dire, pour l'instant. À la base, c'était être un Jericho Daniel Bryan. Mais je sais pas, peut-être avec le temps, ou même. Tout simplement à cause, peut-être parce que j'ai fait des petits matchs à côté pour des titres ou des trucs comme ça. Peut-être c'est à cause de ça que. C'est à cause de ça que ça m'a fait ceci, peut-être. Peut-être c'est à cause de ça que ça m'a changé donc un Sheamus. Ouais, Orton. Allez. Ils veulent pas faire tomber toutes les prises qu'ils avaient. Reviens là, Sheamus.
Chaud, parti pour le Bouddha, le boule d'or. Salut, Seamus Stein. Seamus. Ah, j'aurais cru qu'il joue vraiment technique, hein. Il vise le bras donc de Seamus, sûrement pour bien tenter de l'affaiblir. Seamus, il est enfin contré. Et Carlos arrive le point. Et voilà, tu es son backbreaker. Oh là là. Ouh, le... je sais pas quoi. c'est un body slam, ça j'en suis sûr. Voilà toi. Oh. Reviens là. Bon bah Seamus en fait qui est la personne qui se fait battre. On va passer Orton quand même. Oh là là. Oh là là. Pourquoi ils font ça? Oh merde. On aurait pas dû aller chercher Orton. Désolé Orton. Te prends moi. Oh my god. Through the barricade. Bon, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ou plutôt get the barricade. Bon, j'ai appris un petit truc hein, il y a pas longtemps. Hein. C'est un petit truc de rien du tout. C'est que la team 3D, donc 3D team, les Dudley Boys hein, évidemment, ont créé donc leur propre académie. Ça, faut que j'ai bien surpris. Attention. Oh le Yonso, tu es tombé. Ah, Randy Orton qui m'a l'air bien frais en fait. Le choc style. Donc Seamus en fait il est mort. Il est mort depuis longtemps Seamus. Hein. Il est décédé. Oh il a trouvé le contre est tombé. Sûrement. Oh là là. Gaston. Oh merde. T'as pas compris encore Seamus. Que tu me rappelles. Seamus ne comprend rien. Hein. Voilà. Seamus, vas-tu comprendre un jour? Oh, il nous balance donc sur le tablier, on dirait. Ouais. Oh le dropkick, attention! Ah, Orton en fait en pleine forme. Donc ouais, on va catcher un peu donc sur Orton parce que il est frais, il est bien frais. Ouais, trop frais pour moi-même. J'ai pas encore compris. Allez, je t'aide, Seamus. Allez! Faut qu'on le blesse, il faut qu'on le blesse. Qu'on nous fasse un peu mal. Ouais, Seamus, ouais. Oh putain, on est en retard. Oh la Jericho, le. Oh la Jericho. Oh la Jericho. Oh la Jericho. Oh la Jericho. Oh, il a tapé direct. Il a tapé direct. J'ai jamais rempli une barre de breaking point aussi rapidement. Hein. Je suis en difficile et le mec il a tapé direct. Ah ben Jericho qui a gagné avec un roll of Jericho sur Randy Orton. Ah, peut-être pour une un star de main. Ah, Orton. Peut-être. Il a fait exprès de perdre Orton, peut-être. Pour, donc Jericho qui lui dit bien joué.
Orton qui donc lui serre la main. Donc on voit bien qu'il reste en tant que face et non qu'il refuse et qu'il rentre en rivalité. C'est bien joué donc d'Orton. C'est très très intelligent. Sheamus lui aurait fait bien le contraire donc. Donc ça s'annonce peut-être un rêve d'Orton que j'aurais trouvé à Money in the Bank plutôt bon. Maintenant passons au main event The Raw qui fait ce Don Brenshaw Lightfield GBL. En one-on-one rematch de Monday Night Raw. Le premier match ouverture du show. Et là c'est le main event. Et cette fois on se retrouve vraiment après les entrées. Enfin, notre main event déjà. Bon putain, je vais pas dire le temps, mais on est un peu en retard. C'est à cause des matchs en légende, je suppose. Ça va être peut-être un peu trop long. Parce que le match va être un peu plus rapide par contre. Car je vais pas faire une vidéo d'une heure. Voilà, je parle encore du sang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du Rock. Attention, le Rock. Le Rock. Le Rock. Le Rock. Le Rock. Ouh. Et c'est The Rock. He's cooking. And what's a man? The Rock. He's back. Of the TNC. Avec 10 points, je ne marche pas sur ce coup-là. Hein. On va pas marcher à tous les coups, mon tir. Oh là là, oh là là. Non, tu ne toucheras pas les pieds. Allez, allez, coup de poing, coup de poing. Oui, prends une coup de poing qui passe pas. JBL. Qui va partir en prise. Je vois qui compte ou qui part en rusher next sweep. Nouvelle version. Je vois qui va balancer donc du JBL dans le coin. Oui, il le tourne. Il va le mettre sur la troisième corde. Oui, il le met sur la troisième corde. Qui va-t-il faire? Oh, un petit coup d'avant-bras dans le dos. Oh, la back souplesse de la deuxième corde. La super back souplesse. Attention, je vois qui est chaud. Ah, JBL qui le contre. JBL qui tourne. Et JBL qui fait un airwake. 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 Attention, attention, attention.
Attention, JBL, fais gaffe à toi, JBL, fais gaffe. Ouh, JBL qui a montré le clothesline par Uptos. Ouh, le coup de genou. Le coup de poing. Le coup de poing. La jambe qui est contrée. Le coup de pied. La prise soumission, je suppose, qui est contrée. Et le DDT de JBL. Pourquoi j'appuie toujours sur la con quand il vient faire une tentative de prise et de dire ça marche pas? Plutôt ça marche plus, faut dire. Oh, le Big Boss contre suivi d'un Bulldog. Est-ce qu'il est plutôt le faux désir? Attention! L'Espain Master du Rock! Ouais, est-ce que le Rock va en finir? Non, il va peut-être continuer un peu de carnage. On le connaît comme il avait battu donc JBL. Ah, pourtant il était en place, mais il ne veut pas en finir maintenant. Il est peut-être sur la deuxième corde. Ou non, il tourne la prise du coup, sans pendu. Ouais, la prise du coup, sans pendu. Très belle prise. Il tourne par le Rock. Ouh, People Champion. Oh, le crossbody de The Rock. Le crossbody de The Rock. Hop, le tour. Stupidity. Il est en place. Oh, il enlève la protection. 1, 2, 3. Il saute par-dessus son adversaire. Il se bat en fait corps. Et il enchaîne avec le coup le plus électrifiant de la WWE. The People Hellboy. Et 1, et 2, et 3. The Rock wins. Et une nouvelle victoire du Rock face au JBL. Peut-être qu'il se battait pour une place, pour le titre de la WWE, peut-être, on ne saura pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc laissez un petit j'aime, un commentaire, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ou JBL qui a mal, Oh le low blow. Le low blow JBL. Quel coup vicieux. Faire genre qu'il a une blessure après foutre un low blow en The Rock. Donc je crois que la rivalité ne s'arrêtera pas là. The Rock, JBL à moyen The Bank. J'aimerais bien ce match. Ben abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se retrouvera donc la prochaine fois donc pour la carte. On se laisse sur la carte de WWE SmackDown épisode 14. Bye bye, à plus, peace and love. Ciao, chouchou. Yomina, à plus, boule. Oh. C'est quoi cette fin? Bon, à plus, voilà. Je suis en train de m'étouffer en vue du premier match. Undertaker is back at Friday Night SmackDown. Ouf. Excusez-moi, je suis obligé de... J'étais en train de m'étouffer en voyant la carte. Ouais. Oh là 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 là.